élevons nos pensées vers Dieu. Demandons l'autorisation de réaliser ce moment de partage avec le concours des bons esprits. Le duel. Quelle opinion aura-t-on de moi, dites-vous souvent, si je refuse la réparation qui m'est demandée, ou si je n'en demande pas une à celui qui m'a offensé? Les fous, comme vous, les hommes arriérés, vous blâmeront. Mais ceux qui sont éclairés par le flambeau du progrès intellectuel et moral diront que vous agissez selon la véritable sagesse. Réfléchissez un peu. Pour une parole souvent dite en l'air ou très inoffensive de la part d'un de vos frères, votre orgueil se trouve froissé. Vous lui répondez d'une manière piquante. Et de là, une provocation. Avant d'arriver au moment décisif, vous demandez-vous si vous agissez en chrétien. Quel compte vous devrez à la société si vous la privez d'un de ses membres? Pensez-vous au remords d'avoir enlevé à une femme son mari, à une mère son enfant, à des enfants leur père et leur soutien? Certainement celui qui a fait l'offense doit une réparation. Mais n'est-il pas plus honorable pour lui de la donner spontanément en reconnaissant ses torts que d'exposer la vie de celui qui a droit de se plaindre? Quant à l'offensé, je conviens que quelquefois on peut se trouver gravement atteint, soit dans sa personne, soit par rapport à ceux qui nous tiennent de près. L'amour-propre n'est plus seulement en jeu. Le cœur est blessé, il souffre. Mais outre qu'il est stupide de jouer sa vie contre un misérable capable d'une infamie, est-ce que, celui-ci étant mort, l'affront, quel qu'il soit, n'existe plus? Le sang répandu ne donne-t-il pas plus de renommée à un fait qui, s'il est faux, doit tomber de lui-même, et qui, s'il est vrai, doit se cacher sous le silence? Il ne reste donc que la satisfaction de la vengeance assouvie. Hélas, triste satisfaction qui souvent laisse dès cette vie de cuisants regrets. Et si c'est l'offensé qui succombe, où est la réparation? Quand la charité sera la règle de conduite des hommes, ils conformeront leurs actes et leurs paroles à cette maxime. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Alors disparaîtront toutes les causes de dissension. Et avec elles, celles des duels et des guerres, qui sont des duels de peuple à peuple. François-Xavier Bordeaux, 1861. L'homme du monde, l'homme heureux, qui, pour un mot blessant, une cause légère, joue sa vie, qu'il tient de Dieu, joue la vie de son semblable, qui n'appartient qu'à Dieu. Celui-là est plus coupable 100 fois que le misérable qui, poussé par la cupidité, par le besoin quelquefois, s'introduit dans une demeure pour y dérober ce qu'il convoite et tue ceux qui s'opposent à son dessein. Ce dernier est presque toujours un homme sans éducation, n'ayant que des notions imparfaites du bien et du mal, tandis que le duelliste appartient presque toujours à la classe la plus éclairée,
L'un tue brutalement, l'autre avec méthode et politesse. Ce qui fait que la société l'excuse. J'ajoute même que le duelliste est infiniment plus coupable que le malheureux qui, cédant à un sentiment de vengeance, tue dans un moment d'exaspération. Le duelliste n'a point pour excuse l'entraînement de la passion, car entre l'insulte et la réparation, il y a toujours le temps de réfléchir. Il agit donc froidement et de dessein prémédité. Tout est calculé et étudié pour tuer plus sûrement son adversaire. Il est vrai qu'il expose aussi sa vie, et c'est là ce qui réhabilite le duel aux yeux du monde, parce qu'on y voit un acte de courage et un mépris de sa propre vie. Mais y a-t-il du vrai courage quand on est sûr de soi? Le duel reste des temps de barbarie où le droit du plus fort faisait la loi, disparaîtra avec une plus saine appréciation du véritable point d'honneur. Et à mesure que l'homme aura une foi plus vive en la vie future. Augustin, Bordeaux, 1861. Remarque. Les duels deviennent de plus en plus rares. Et si l'on en voit encore de temps en temps de douloureux exemples, le nombre n'en est pas comparable à ce qu'il était autrefois. Jadis, un homme ne sortait pas de chez lui sans prévoir une rencontre. Aussi prenait-il toujours ses précautions en conséquence. Un signe caractéristique des mœurs du temps et des peuples est dans l'usage du port habituel, ostensible ou caché, des armes offensives et défensives. L'abolition de cet usage témoigne de l'adoucissement des mœurs. Et il est curieux d'en suivre la gradation depuis l'époque où les chevaliers ne chevauchaient jamais que bardés de fer et armés de la lance, jusqu'au port d'une simple épée, devenue plutôt une parure et un accessoire du blason qu'une arme agressive. Un autre trait de mœurs, c'est que jadis, les combats singuliers avaient lieu en pleine rue, devant la foule qui s'écartait pour laisser le champ libre, et qu'aujourd'hui, on se cache. Aujourd'hui, la mort d'un homme est un événement. On s'en émeut. Jadis, on n'y faisait pas attention. Le spiritisme emportera ses derniers vestiges de la barbarie en inculquant aux hommes l'esprit de charité et de fraternité. Et oui, la vie nous invite à être en paix avec soi, tout autant qu'avec les uns et les autres ici sur Terre. Par contre, pour être en paix, il nous faut parfois un effort personnel, un grand effort même. Si nous regardons ce qui se passe dans notre quotidien, nous constaterons que le mal y est présent. Et il n'est même pas caché. Les médias regorgent de ces attaques verbales, de ces joutes qui impliquent l'un ou l'autre, qui discriminent, qui rabaissent. Bref, il y a tant de façons d'identifier le mal autour de nous. Mais si nous prenons le temps de comprendre ce qui est à l'origine de cette expression du mal,
nous y trouverons très souvent l'orgueil. Et oui, c'est en réalité notre ennemi numéro un. Celui que nous devons anéantir. Et il se cache de façon sournoise, là où on ne l'attend pas. Prenons le temps de comprendre ce qui nous est demandé de vivre ici-bas et de passer outre toutes ces agressions, toutes ces invitations à être en conflit. Nous ne sommes pas venus pour cela. Nous sommes venus, bien au contraire, pour être en paix intérieure, en lien avec les lois de Dieu qui sont inscrites dans notre conscience, dans notre fort intérieur, et qui plus est, en paix avec tous nos semblables. Car c'est ainsi que nous construisons une société en paix. Un exemple pousse un autre exemple. Et c'est ainsi, à partir d'un homme, que nous changeons un monde. Nous changeons le monde parce que nous faisons partie de celui-ci. Réfléchissons à cela. Si nous continuons à répondre à l'agression par l'agression, que faisons-nous de différent de l'agresseur? Alors, oui, froissons notre orgueil. Faisons en sorte de le tordre, de le rompre, de le déchirer, de le froisser, de le soumettre, car c'est ainsi que nous allons enfin pouvoir nous en débarrasser. Et peut-être un jour finir par accepter ce qui est. Accepter le choix des uns et des autres. Il ne s'agit plus d'être dans la réaction, mais plutôt d'être dans l'action. Une action choisie, une action pensée, réfléchie, posée, une action d'amour, une action de bien. Il s'agit de vivre en paix, faisant le bien. Oui, c'est ça qui nous est demandé. D'aimer. Il y a tant de façons d'aimer. Eh bien, soyons sourds à cette parole qui blesse. Soyons sourds à ces mots qui raillent, qui rabaissent. Et regardons l'exemple que nous donnons. Souvent, notre agresseur, entre guillemets, celui par qui vient le scandale, n'a pas l'éducation suffisante pour faire un autre choix, ou en tout cas n'a pas reçu l'exemple qui lui permettrait de choisir. Pensons un instant à cela. Regardons comment, dans la nature, les uns et les autres s'entraident. Nos frères mineurs, les animaux, le montrent chaque jour. Comment une mère éduque ses enfants en leur montrant, en agissant. Et l'enfant regarde, suit, répète, imite et va apprendre par cette expérience. Eh bien, pourquoi est-ce différent dans le règne humain? Pourquoi disons-nous des paroles que nous ne faisons pas?
Il est bien plus impactant de montrer l'exemple, de donner à savoir, de faire connaître, d'inviter l'autre à mettre en œuvre par l'exemple. D'ailleurs, c'est la seule façon de procéder avec ceux qui sont en désaccord avec nous. Montrons ce que nous voulons vivre. Vivons ce que nous voulons être. Soyons heureux d'être mis à l'épreuve afin de pouvoir répondre, montrer et donner à vivre. Il ne s'agit pas de s'afficher. Il s'agit d'être, tout simplement, d'être pleinement en lien avec nos frères. Car, je vous le rappelle, nous sommes venus sur Terre pour notre progrès moral. Pour le progrès moral de l'humanité. Le spiritisme ne sert qu'à cela. C'est son but premier. Sans cela, le spiritisme cesse d'être. Il n'y a plus de raison d'être. Alors, ne soyons plus dans ces instincts belliqueux, dans cette colère, dans cette rage. Et élevons-nous vers Dieu. Apprenons à aimer. Et invitons les uns et les autres ici-bas, que nous croisons, à suivre notre exemple. Passons de l'amour propre à l'amour, tout simplement. Construisons cette société de paix dans laquelle nous voulons vivre. Commençons aujourd'hui. Identifions ces éléments que nous vivons au quotidien qui nous froissent. Mettons de la lumière, éclairons ces situations. Et regardons comment nous pouvons agir, comment nous pouvons choisir notre comportement de façon plus paisible, plus harmonieuse avec ce que nous voulons être. Réfléchissons à cela et passons à l'action. Il s'agit d'être dans une charité active. Aimons nos ennemis. L'ennemi, c'est celui que nous nourrissons en nous. Tous ces défauts que nous portons en nous, ceux-là sont nos vrais ennemis, nos vieilles habitudes. Celles que l'on répète encore et encore, bien que nous ayons déjà identifié ce comportement toxique. Prenons le temps de penser à cela et agissons en paix. Nous remercions tous nos frères qui sont venus à nous, qui nous accompagne dans le cheminement ici-bas sur Terre et qui nous invite à réfléchir et à nous élever vers Dieu. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.